Brice Blanchon, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu 2 ou 3 ans après moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous le décrire. D'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique, pas très éloigné de moi à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas? Il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas? Mais nous avons eu très vite un accès l'un à l'autre. Il me mentionne parfois dans ses livres, il m'élève beaucoup. Je veux dire, je me trouve très élevé par ses interventions. Sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution toute intérieure, où il n'y a jamais eu la moindre concession opportuniste. Cette impression d'un homme sans opportunisme, voilà, le contact moral avec lui. C'était des choses de philosophie, c'était des choses littéraires, c'était Proust et Valéry, n'est-ce pas? C'est, si vous voulez, là, on n'a pas beaucoup parlé de surréalisme, Proust et Valéry. C'est l'intérêt, c'est très tôt qu'il a eu pour ces choses phénoménologiques dont je me suis occupé. Conversation très abstraite, dans ce sens-là, avec ces échappées inattendues que les choses prenaient chez lui. Je n'ai pas de souvenir, comment dirais-je, de rigolade, pas, si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés, que je me suis senti l'avoir rencontré.